Dans le jardin de l'ogre. L'histoire d'une salope. Premier roman de Leïla Slimani, en 2014, étant l'histoire grisante d'Adèle Robinson, une femme perdue et insatisfaite dans sa relation conjugale. Rongée par ce vide, elle multiplie les ébats sexuels jusqu'à l'addiction, à la recherche de la fièvre amoureuse et du lâcher-prise. Leïla Slimani dresse le portrait d'une femme à la libido insatiable, pétrie de nuances et de contradictions. Un premier roman bien servi par une prose percutante, fine et sensuelle. Il est impossible de ne pas être saisi par la frontalité avec laquelle Leïla Slimani décrit la vie sexuelle de son héroïne. Certaines pages, très crues, montrent une indéniable puissance littéraire, avec des mots qui claquent comme des coups de fouet. Adèle veut qu'on la saisisse. Elle voudrait n'être qu'un objet au milieu d'une horde, être dévorée, sucée, avalée tout entière. Qu'on lui pince les seins, qu'on lui morde le ventre. Elle veut être une poupée dans le jardin de l'ogre.